Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maddy. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux arrivants qui ont rejoint ma chaîne, merci beaucoup. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait moins d'abonnés et puis finalement, il y en a plus. Donc, tant mieux, voilà. Sachez pour les nouveaux arrivants que je dédie les revenus publicitaires de cette chaîne intégralement à la cause animale. Voilà, comme ça c'est dit, hein. Ceux qui me connaissent le savent déjà. Enfin, je reverse même un peu plus, mais enfin bon, c'est pas grave, hein. La plateforme sur laquelle je fais mes dons, eh bien, sera en dessous de la vidéo si vous avez envie, vous aussi, de faire de ci, de là, des petits dons, hein. Moi, je m'investis surtout pour les animaux qui sont malheureusement voués à l'abattoir. Voilà, je trouve qu'on ne devrait pas, à notre époque, envoyer les animaux qui ont une conscience et une sensibilité dans des histoires de, enfin, dans des histoires, dans des endroits, pardon, d'horreur comme ça. Et donc, j'essaie d'en sauver. Bon. À part ça, merci à ceux qui continuent de me suivre. Bon, alors, on va pas revenir sur ces élections. C'est une catastrophe. C'est le pire qui pouvait nous arriver, je dois dire. On va regarder ces histoires de fraude. Bon, bien sûr qu'il y a eu fraude. Ça peut être de façon mentale, avec la propagande, le fait que les gens aient été, on va dire, conditionnés depuis 2 ans à obéir. Faut pas oublier ça non plus, hein. C'est aussi une manipulation qui conduit à une fraude. L'absence de débat, enfin l'absence de campagne, enfin bref, tout ça. Et puis évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Voilà, hein. Bon. Alors, je ne dis pas que tout est truqué. Il est bien possible que l'autre, il ait gagné quand même, mais certainement pas avec 58%. Peut-être avec 51, éventuellement, je veux bien. Ou 50,5, je veux bien aussi, et encore. Mais bon, pas avec 58. Donc, il y a eu des trucs. Donc, on va regarder s'il peut y avoir révélation de cette fraude. Et puis après, je vous ferai un second tirage par rapport aux méditations que j'ai faites. Alors, est-ce que la fraude va être révélée et reconnue surtout, hein? Parce que révélée, elle l'est un petit peu quand même. Mais reconnue, ça c'est autre chose. Alors ici, on a quelqu'un qui rêvasse. Et un 6 de bâton. Donc là, il y a une nouvelle. D'accord. Donc il y a des choses qui bougent. Quoique la coupe, elle est assez bizarre quand même, hein? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'agit pas, mais il y a quand même des choses qui se mettent en route. D'accord? Bon. Alors, la fraude va-t-elle être, on va dire, reconnu officiellement, parce que voilà, hein. C'est surtout ça qui est important. Alors, on a un valet du denier. Moi, je prends toutes les lames, hein, dans le tarot, je trouve que c'est plus sympa. La lune et les amoureux, d'accord. Alors, ici, je vous mets bien les cartes que vous voyez bien. Ici, on a une bonne nouvelle quand même. Mais par contre, là et là, ça me montre une déception. Alors, ça, c'est le retour du passé. Donc, il y a bien des choses dont on va reparler, puisque, effectivement, les élections sont finies. Donc, on en reparle. Mais ici, il y a une déception avec la Lune. Donc, c'est pas bon. Déception, illusion aussi, hein, la Lune. C'est comme si on avait, vous voyez, on a des gens. Enfin, c'est les loups qui aboient ici. Donc, les loups qui aboient la Lune, mais bof. Ça changera rien, à mon avis, hein. Et là, les amoureux, ben pour moi, le choix, il a été fait, hein. Donc, je dirais non. Je dirais que il y a des gens qui vont mettre des choses en route, c'est vrai. D'où la bonne nouvelle, hein, parce que oui, il y a des gens qui bougent quand même, qui essaient de faire bouger les choses, si vous voulez. Mais ça, c'est le résultat. Donc, les jeux ont été faits entre les deux personnes. D'ailleurs, on a bien un homme et une femme, hein. Alors, l'homme porte la femme en haut, ok. Bon, là, normalement, c'est une carte amoureuse, mais ça veut dire aussi, pour moi, que le choix a été fait et le choix était vers un homme. Voilà. Donc non, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des révélations fracassantes, que la fraude soit reconnue, que tout ça soit annulé. Moi, j'y crois pas. Pas avec un jeu comme ça. Non. Donc, mon interprétation ou le résultat, c'est même s'il y a des gens qui mettent en route des actions ici, qui peuvent être comme des bonnes nouvelles, hein, le genre, ah, enfin, ça bouge, enfin, on va le savoir, enfin, ça va être connu, par rapport à des choses du passé, eh bien, le résultat, c'est que tout ça fait rien, désillusion, déception, voilà. Donc, non, ça sera pas reconnu. Donc, ça, c'est le premier tirage que je voulais vous faire. J'ai même pas besoin d'aller plus loin, parce que ça confirme, en fait, un petit peu ce que je ressens. Et puis,
ça met un petit peu le, comment dire, le relais, le lien par rapport au second tirage que je voulais vous faire. Et celui-là, par contre, il me tracasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque j'ai commencé en astrologie à analyser les aspects astrologiques, évidemment. Et puis surtout les éclipses. Hein, il y en a une le 30 avril, il y en a une le 16 mai. Elles sont toutes deux mauvaises, je préfère vous le dire. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que j'ai retardé le moment de m'y mettre. Parce que j'avais regardé rapidement et je me suis dit, oh là là. Bon. Mais hier, j'ai regardé plus en détail. Donc, va falloir que je m'y mette, ne serait-ce que pour vous prévenir. Mais j'ai déjà essayé de vous prévenir avec les cartes. Alors, je vous entends me dire, ben oui, mais qu'est-ce que vous avez vu? Ben, que des catas. Voilà. Bon. Notamment, quand j'avais fait l'horoscope 2022 de la France, hein, ceux qui ont été regardés, je vous mettrai éventuellement le lien si ça vous intéresse, j'avais parlé d'explosion. Oui, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Ça se présente pas bien. Voilà, on va dire ça comme ça se présente pas bien. Alors, je vais pas vous faire peur, d'accord? Mais je préfère quand même vous donner quelques conseils au cas où j'aurais raison, plutôt que de rien vous dire et puis que ça nous tombe dessus et que voilà. Ouais, ben moi je pense que. Vous vous souvenez de la carte? Alors, je sais plus où est-ce qu'elle est dans mon Dixit. Je vais peut-être la sortir. Attendez 2 secondes. Dans mes 300 cartes, il faut que je la retrouve. Hein. Attendez une petite seconde. Voilà, j'ai mis un peu de temps à la trouver, n'est-ce pas? Elle est ici, c'est celle-ci. Eh bien, cette carte-là, je la ressors toujours. Hein. Si vous avez regardé mes tirages régulièrement, vous savez que j'ai sorti plusieurs fois. Et je vous avais dit plusieurs fois aussi que celui que vous connaissez, n'est-ce pas? Qui a gardé le pouvoir, il voulait absolument nous entraîner vers une guerre et qu'il était là. C'était lui, le Joker. Bon, alors, eh ben, c'est exactement ce que je pense. Mais maintenant, on va quand même vérifier. Il faut que j'essaie de ne pas trop influencer les cartes non plus. Mais si vous voulez, quand je fais de la méditation, j'ai toujours des images de feu qui ressortent. Et je, voilà, ils font que ça correspond à mes analyses astrologiques. Hein. Que j'essaie de vous faire vraiment avant la fin du mois, mais c'est pas facile. Hein. Et donc, on va regarder s'il peut vraiment, vraiment nous emmener vers une cata, parce que ce gars-là est fou. Donc, les gens qui ont voté pour lui, alors je sais évidemment qu'il n'y en a pas parmi vous, vous êtes éveillés, n'est-ce pas? Et puis, vous avez trop de bon sens, mais malheureusement, il y en a qui l'ont fait, et je crois que ceux-là vont s'en mordre les doigts. Alors. Donc, il y a une carte qui vient de tomber. Ben, ça, c'est les gens qui ont voté pour lui, par exemple. Hein. Les monsieur tout le monde, peut-être un peu les bourgeois, le genre de personnes. Hein. Souvent, quand je parle, j'ai des cartes qui tombent. Et ça me montre un petit peu ce qui, voilà, ce qui est en accord avec mes pensées. Alors, on va regarder. Y a-t-il un risque de conflit? Donc, j'avais déjà fait des jeux là-dessus. Hein. J'avais parlé d'un conflit international avant que celui-ci se déclenche. Hein. Et j'avais dit que la France, j'étais pas sûre qu'elle s'impliquerait. Par contre, j'étais embêtée parce qu'il y aurait certainement des cadeaux. Donc, c'était le Béline, hein. Il y avait la carte des présents. Donc, j'avais dit que c'était certainement les livraisons d'armes. On sait que c'est vrai maintenant. On sait que la France livre des armes à l'Ukraine. Et j'avais dit j'étais embêtée parce que même si la France hésitait à s'engager dans le conflit, il y avait l'histoire d'alliance. Et ça pouvait être problématique. Hein. C'est un vieux tirage. Je vous mettrai éventuellement en barre d'infos. Et donc, c'est ça qui m'embête, si vous voulez. C'est les histoires d'alliances. C'est-à-dire que, même sans le vouloir, par le biais des alliances, notamment du fait de l'US, hein, eh bien, on pourrait se retrouver impliqué dans un conflit dans lequel on n'a rien à faire. Bon, enfin bref. Donc, il y avait des trucs quand même que j'avais senti. Et là, ces derniers temps, encore une fois, je me dépêche pas que le tirage soit trop long, je pressens que ça se rapproche. Voilà, regardez, j'ai encore une carte qui est sortie ici. Les choses se mettent en route. Bon. Alors, on va regarder. Est-ce qu'on a un risque que l'autre fou, là, nous déclenche un conflit qui pourrait vraiment nous impacter? Ce qui expliquerait pourquoi j'ai des histoires d'explosion en astrologie. Alors, on va regarder. Je prends les deux tas. Hein. On a, pardon, des choses qui sont en esquisse, en ébauche. Et alors, il y a une tombe ici quand même. Donc, ça voudrait dire aussi qu'il y a des espoirs. Hein, c'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Il y a des espoirs de renouvellement peut-être. Hein, parce que là, c'est une jeune fille. Hein, donc, normalement, c'est une belle carte qui finalement ne se ferait pas. Puisque là, il y a une tombe et c'est un bois qui est sombre. Donc, les gens qui
espère éventuellement un renouvellement, il y a toujours qui peuvent rêver, hein, eh bien, se trompe. Il y aura déception. Alors, est-ce qu'on a un risque d'aller vers un conflit? Alors, la France, oui, enfin, évidemment, l'Allemagne aussi, hein, enfin bref, l'Europe, voilà. Évidemment, la Suisse, je sais pas, aucune idée. J'en sais rien, je suis pas assez douée en géopolitique pour vous répondre à ça. Alors, mais le reste de l'Europe, c'est sûr. On a les sorcières ici, vous voyez, on a un trou dans le ciel. Donc, on lance bien quelque chose sur les villes. Donc, ça, c'est pas bon, cette carte-là. On a ici, ouais. Vous voyez, en fait, on a ici un peu les gens qui suivent sans réfléchir, hein. Enfin, en plus, c'est une télécommande sur laquelle il y a des boutons. Alors, attention. Et là, on a une annonce. Alors, normalement, c'est pas une mauvaise carte, les annonces. Mais on va regarder ce que c'est. Éventuellement, des choses qu'on voudrait nous faire croire étant positives. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Attendez, je fais un peu de place sur mon bureau. Voilà. J'ai pas beaucoup de place, hein. On va regarder de l'autre côté. En tout cas, les sorcières, là et là, pour moi, c'est pas bon. Et puis là, encore une fois. Et puis, en plus, vous voyez qu'il y a une espèce d'espace entre les deux. Alors, ça peut être des cheminées ou je sais pas. Donc là, celui qui est en train de marcher, là, il peut aussi tomber, hein. Bon, je remarque des petits détails comme ça. Moi, j'aime beaucoup le jeu d'Ixit. Voilà, parce qu'il y a toujours des détails qui sont très, très intéressants. En tout cas, cette carte avec les sorcières montre qu'il y a vraiment des choses maléfiques à l'œuvre. Alors. Ok. On a ici une prison qui est une fausse prison. D'accord. Ici, bah oui, regarde, on a la bataille, hein, c'est sorti. On l'a, bien. Hein. Attendez, je vais poser le jeu. On a bien, effectivement, donc on envoie quelque chose dans l'espace, et c'est bien deux armées, deux pays, si vous voulez. Hein. Bah là, on y voit évidemment l'Est et puis l'Ouest. Hein. J'ai pas besoin de vous expliquer, qui se battent. Ici, on a un mauvais temps. Ça, je vous l'avais déjà sorti aussi. Et ici, on a l'au-delà. On a l'au-delà, quand même. Qui nous observe. Alors, ici, la fausse prison. On va aller un petit peu regarder ce que c'est. Je suis en train de réfléchir ce que ça peut être. Mais ça peut être les histoires de confinement. C'est-à-dire que c'est une prison, mais c'est pas vraiment une prison, si vous voulez. Hein, puisque le confinement, on n'est pas en prison, prison. Simplement, on n'a pas le droit de sortir de chez soi. Donc, ça peut être ça. L'histoire de confinement ici, qui se profile, ce qui paraît logique si, effectivement, il y a un truc qui nous tombe dessus. Bah oui, les gens seront forcément obligés de rester chez eux. Donc, ça, c'est bien possible. Moi, je ne sens pas cette histoire. Hein. Je vous dis franchement, hein, je ne le sens pas. Il y a plein de personnes qui peuvent vous dire que ça n'arrivera pas. Moi, ça fait depuis que j'ai fait mon horoscope 2022 que je sens qu'il y a un truc. Voilà. Bon. On va même pas besoin d'analyser cette carte-là. Hein. On risque d'être mangé. Alors là, il y a des histoires de masques. Ouais. Pierre lunaire. C'est la lune. Hein. C'est aussi le fait qu'on nous vende un petit peu ce conflit comme le genre... il faut y aller, on n'a pas le choix. Hein. Vous voyez, c'est vraiment un masque. On met un sourire, mais en fait, on voit que la personne derrière, elle est triste. C'est aussi la désillusion, quelque part, le pyro lunaire. Hein. Pour moi, c'est la désillusion. Hein. Ouais. Mais il y a des histoires de tromperie là-dedans. Voilà, voilà. Ça, j'avais aussi sorti de cette carte-là des débordements. Donc, c'est de l'eau, c'est vrai, c'est pas du feu. Ça change rien au fait que ça vacille, tout ça. Ok. Et là, une carte pour nous. L'au-delà nous prévient qu'il va falloir se mettre à l'abri. Bon. Bon, écoutez, j'ai quand même deux cartes d'armure. Il n'y en a pas tant que ça dans ce jeu-là. Hein. Pour moi, il y a vraiment, vraiment une grosse possibilité que ça nous tombe dessus. Alors, par contre, je ne suis pas sûre que ce soit nucléaire, encore une fois. Je vous rassure quand même un petit peu. Je crois pas, parce qu'encore une fois, j'ai des aspects très spécifiques en astrologie pour ça. Mais il n'y a pas que le nucléaire, si vous voulez. Il peut y avoir des explosions, genre missiles ou j'en sais rien. Je suis pas dans les histoires d'armée, moi. Mais ça peut suffire, hein. Ça peut suffire quand même à détruire. Ça, voilà. Mais et ça peut être assez problématique pour nous.
En tout cas, il y a des choses qui se mettent vraiment, vraiment en place. Alors, est-ce qu'on peut avoir confirmation quand même? Enfin, on l'a déjà ici, vous me direz. Hein. Ouais, regardez, c'est bien le conflit qui ressort. Bon. C'est en plus, là, on a bien les Américains. Bon, là, c'est pas vraiment l'Est, hein, c'est les Indiens. Normalement, tout ça, c'est les deux cartes de l'Ouest. Mais là, j'ai pas de carte de l'ours, hein, vous savez de quoi je parle. Donc là, pour moi, c'est le conflit. C'est sûr. On va y avoir droit. Bon. Mais après, on aura des solutions, de toute façon. Hein. Voilà, regardez, on a quand même l'espoir qui arrivera par la suite. On va quand même rester sur le conflit pour être sûr. Oui, le dragon qui crache du feu. Bon, écoutez, les amis, j'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. Vous avez ici cette carte-là. Alors, c'est pas un bon dragon, hein, pour ceux qui me regardent et qui m'ont dit qu'il y avait des bons dragons. Oui, je veux bien, mais pas là. Là, c'est un dragon qui crache du feu, point. Il n'y a pas de discussion possible. Je vais être très tranchante dans ce tirage. Pardon. Pour moi, on va avoir des problèmes. Bon. Et ceci expliquerait pourquoi je voyais toujours l'autre fou partir. Parce qu'il ne pourra pas rester. Hein, il va lui arriver un truc d'une façon ou d'une autre. Alors, vous allez me dire combien de temps? Ben, moi, je dirais l'éclipse qui arrive, la plus mauvaise, c'est celle du 16 mai. Donc, elle agit pendant 6 mois à peu près. Hein. Elle annonce les événements 6 mois à l'avance, si vous voulez. Donc, entre mi-mai et puis fin octobre. Voilà. Pour moi, là, il devrait dégager. Il y a un truc quand même. Hein. Ou plus tard, si vous voulez, 2023. Mais vraiment, vraiment, si vous me poussez dans mes retranchements. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Comment on va faire, comment on va gérer tout ça? Ben, il y a des gens qui vont partir, les amis. Hein. Il y en a qui vont partir. C'est les migrants. Alors, normalement, c'est les migrants, bon, étrangers. Mais là, c'est les gens, la France, qui vont prendre la poudre des scampettes. Et puis, vite. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ceux qui ne peuvent pas forcément partir? Parce que bon, hein, décidément, le jeu est de plus en plus parlant. Si ce n'est pas un avertissement de l'au-delà, je ne sais pas ce que c'est. Ben, on va avoir effectivement ça dans les rues. Voilà, donc ça ne répond pas à la question, mais ça veut dire qu'on aura ça dans les rues. Donc vous, ben, il faudra que vous restiez chez vous. Alors, je sais que vous avez fait des provisions, pensez à l'eau, pensez à vos animaux. Hein. Ça, c'est surtout pour les nouveaux arrivants qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas vu toutes mes vidéos et dans lesquelles je répète régulièrement ces conseils. Quoi d'autre? Pensez aussi à un nécessaire de pharmacie au cas où, voilà. Et surtout, surtout, faites des réserves de bougies et puis aussi des lampes électriques, hein, voilà, s'il y a des coupures de courant. Évidemment, par rapport à vos moyens, parce que je sais que beaucoup, beaucoup, grâce à l'autre fou, ont perdu, alors grâce, c'est ironique, hein, sont dans situation de précarité. C'est là qu'il va falloir faire preuve de solidarité. C'est primordial, j'ai envie de dire, c'est primordial. Il faut arrêter les histoires d'ego et d'égoïsme. Il va falloir prendre soin les uns des autres. Alors, il serait temps, hein, il serait temps. Je sais que vous êtes des belles âmes, donc... Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas comme vous. Voilà, et ensuite, eh bien, la vie repartira, je vous rassure quand même. Hein. Mais on aura un moment à passer qui sera très difficile et qui est pour moi de l'ordre de quelques mois. Voilà, je préfère vous le dire. Bien, donc je vais arrêter ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé. On est prévenu. Et encore une fois, je fais beaucoup de méditation et j'ai toujours ces images-là. Donc, c'est qu'il y a, quelqu'un où... Peut-être des personnes qui essaient de me prévenir de là-haut. Voilà, moi personnellement, j'ai fait aussi mes réserves, mes provisions. Bon, je fais ce que je fais plus. J'ai surtout pensé à mes 3 chats, évidemment. Et je sais que vous ferez pareil. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.